Kate, la sincérité de la duchesse de Cambridge lors d'une discussion personnelle sur sa parentalité avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis risquaient de déclencher une réaction, selon les commentateurs royaux. La duchesse de Cambridge a donné un rare aperçu de sa vie de famille en s'ouvrant sur la maternité royale. Début 2020, Kate avait rejoint le podcast Happy Mum, Happy Baby pour parler de ses premières années de travail. Le documentaire de Channel 5, Kate, pour Queen in Waiting, s'est penché sur ce que la future reine avait divulgué. Le narrateur David Riley a déclaré aux téléspectateurs. Le niveau d'honnêteté de Kate lorsqu'elle a été interviewée pour un podcast parental était assez différent de toutes les révélations royales sur la parentalité qui avaient précédé. Cela a offert un aperçu rare de leur vie de famille. Dans un clip audio du podcast, l'animatrice Giovanna Fletcher a demandé à la duchesse si elle luttait contre la culpabilité de maman. Kate a répondu « Oui, absolument. » Elle a plaisanté « Je pense que quiconque dit qu'il ne le fait pas ment en fait. » Même ce matin, George et Charlotte se sont dit « Maman, comment peux-tu ne pas nous déposer à l'école ce matin ?» La journaliste royale Victoria Murphy a ajouté. Kate a abordé des sujets comme la culpabilité de maman. Il y avait un peu de risque qu'il y ait un contre-coup. Elle a poursuivi. Les gens pourraient dire. Eh bien, comment pouvez-vous vous rapporter aux luttes des gens ordinaires? Point. Mais je pense que la raison pour laquelle cette interview a si bien fonctionné est la sincérité et la façon dont elle vit sa vie. Kate a également parlé de sa décision de faire « Elle-hypnonaissance » pour sa première grossesse avec Prince George, une méthode qui a été qualifiée de « hippie-dippie ». L'hypnonaissance est une méthode de gestion de la douleur qui peut être utilisée pendant le travail et l'accouchement. Il s'agit d'utiliser un mélange de techniques de visualisation, de relaxation et de respiration profonde. Kate a déclaré qu'elle souffrait d'hyperémésis gravidarum, qui provoque de graves vomissements, pendant ses grossesses. Elle a déclaré au podcast, « C'est grâce à l'hyperémèse que j'ai vraiment réalisé le pouvoir de l'esprit sur le corps. J'ai vraiment dû essayer tout et n'importe quoi pour m'en sortir. Point.